Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 5ème épisode de notre let's play sur Metroid Prime Hunters sur DS. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes devant notre vaisseau sur la planète Alino. C'est la dernière fois, on avait commencé à explorer les environs, on avait exploré quelques salles et on avait déjà trouvé les trois artefacts et on était prêt à aller affronter le premier des deux boss de la zone. Et bah c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on avait d'ailleurs trouvé une réserve d'énergie et deux réserves de missiles. Et on devrait affronter un Rosénie avant probablement de devoir se carapater de la planète en vitesse en fonction du temps que ça nous prendra. On verra si on commence à explorer une nouvelle planète dès aujourd'hui ou si on attend mercredi. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez aussi aller les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, hashtag épique PIC et hashtag fail et failles, plus seulement exact que l'avoir ajouté à la compile. Alors, cette fois-ci, je vous confirme qu'il n'y aura pas de fail de facecam puisque bah, je n'ai pas... C'est le premier épisode que j'enregistre de la journée, donc je risque pas de me tromper de fichier de facecam, contrairement à l'épisode 4. Je sais pas si vous avez été beaucoup aller voir la version avec le fail. Mais en tout cas, toujours est-il que ça devrait être bon. Allez, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va prendre le portail. Alors, j'ai remarqué, en refaisant la facecam de l'épisode 4, que j'avais oublié d'aller scanner des trucs. Attends, wait, c'est fermé. Au pire, attends, je redescends par là. Je regarde si j'ai pas oublié des trucs à scanner vite fait parce qu'il me semble qu'il y a un truc qui m'a échappé. C'était dans la salle tout en bas. Quitte à le faire, je veux le faire en étant tranquille et pas en étant dans la fuite de la planète. Alors ça on l'avait scanné, ça on l'avait scanné aussi, oui le champ de force fermé. Mais il y avait autre chose, j'ai remarqué que le viseur d'analyse était passé sur un truc que je n'ai pas scanné. Donc je me dis tant qu'à faire, c'était pas ça? Non, pas le sarcophage scientifique. Voilà, ça là-bas. Sarcophage militaire. Cette tombe contient les restes d'Almiac, général de guerre alimbique qui, il y a 2000 ans, conduisit des troupes alimbiques à la victoire dans la guerre des frontières Tétra. Il participa à la création de l'ordre des sages alimbiques. Voilà. Voilà, tout ça pour ça, hein. Tout ça pour scanner un truc. Mais écoutez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Par contre, si je pouvais tenir droit sur un petit... sur une petite plateforme, ce serait pas mal. Voilà. On se pose tranquillou. On a perdu 5 points de vie. Vous allez voir qu'ils vont pas faire la différence contre le boss. Voilà, on repasse par ici. Donc ça, c'était le portail du vaisseau. Et on avait activé le portail pour aller au boss. Comme dirait un célèbre plombier, let's go! Allez, on va analyser un peu tout le bordel. Donc nous sommes dans la forteresse cachée. Cette chambre sacrée, très difficilement accessible, abrite nos reliques les plus sacrées. Elle est également gardée par la plus formidable et la plus féroce création cybernétique et pas cinerbétique comme la dernière fois. Seule l'activation d'un portail contrôlé par un trio d'artefacts permet d'accéder à cet endroit secret. Autre chose? Non, c'est le portail de téléportation. Oh, est-ce qu'on a autre chose à analyser dans les parages? Bon, ça c'est la forteresse cachée, on l'a déjà analysée, monsieur. Comment ça, hors du champ d'analyse? Mais tais-toi, toi! Tais-toi, toi! Voilà, ça c'est blindage sur 20. Pareil. Allez. Nous y voilà. Ah, c'est pas Crétafide déjà. C'est quoi, c'est un robot? Probablement. Alors, comment ce machin s'intitule? Salut! Ok, l'air d'avoir plein de trucs à activer par là. L'air d'avoir un espèce de zizi. Alors, qu'est-ce que c'est? Slench 1A. Une autre arme de l'arsenal de défense alimbique. Cet énorme globe oculaire a été construit pour protéger les reliques sacrées alimbiques. Le Slench est encastré dans le mur de la zone qu'il garde et utilise ses trois synapses pour transmettre de l'énergie aux tourelles. Ses armes principales sont les torpilles vertes empoisonnées et un rayon laser. D'accord. Ça c'est quoi? Tourelles. Les tourelles sur le mur de la chambre, tirent des projectiles de plasma générés par le Slench. D'accord. Ok, ça c'est juste les tourelles. Il y a autre chose à analyser ou on est bon? Chambre de biodéfense B. Plusieurs grandes nodosités sont situées sur le long du mur de cet étrange endroit. Il doit y avoir une relation entre elle et la créature nichée ici. D'accord, et là on sait que c'est fermé.
Et bah let's rock'n'roll, on va taper hein. Est-ce qu'il faudrait pas péter l'espèce de zizi là? On est de retour dans les positions pas confortables. Ok, il faut arriver à lui faire. Attends, il n'y a pas un truc à analyser là-haut? Non. Ah voilà. Faut lui dégager les espèces de tentacules qu'il y a là. Attends. Slench 1B. Lorsqu'il est endommagé, le Slench se détache du mur et lévite en tirant sur les intrus. Les analyses indiquent que le bouclier du Slench est désactivé lorsqu'il est en lévitation. C'est tout ce que je voulais entendre. Attends. Ok. Maintenant qu'on sait comment fonctionne le monsieur. On va l'attendre à la sortie, hein. Hop, on sort les missiles et on bouge. Allez. Un quart de sa vie. Par contre, niveau vie, j'en ai plus beaucoup non plus, moi. Allez. On se concentre un minimum. Ah merde. C'est bon. Il a reformé le tentacule là-bas. Le petit bâtard. Ah, le problème, c'est que je suis toujours dans la position pas confortable sur 20, quoi. Allez. Merde! Non mais en même temps, comment tu veux que j'y aille en ayant mal à la main comme ça, quoi? Sérieusement. Bon, probablement falloir que je réanalyse tout, parce que c'est surtout ça, c'est comme je vous l'ai dit, la position de... position de base, elle est pas pratique. Bon, je réanalyse tout ça. Histoire d'être sûr. C'est pour ça les épisodes de Prime Hunter, je les fais à la fois, parce que si je dois en faire plusieurs à la suite, ma main gauche va, mes mains vont pas aimer. Bon. Je vais passer tout ça, je vais analyser. Donc pas que j'oublie d'analyser les deux formes. On sait que c'est des tourelles, on sait que ça c'est le Slench. Allez, on fait le tentacule. Tentacule. Et tentacule. Voilà. Ah, mais... ok, on est pas mal. On part. On a déjà dégagé un tentacule. Le deuxième. Et le troisième. Ah mais moi je t'attends à la sortie hein, poteau. Hein. Ah c'est vraiment le centre qu'il faut toucher hein. On va bourrer. Ah! Attendez. Ah! Ma main, bordel! Ça nique tellement cette position! Eh, c'est que je me fais vieux, hein! Attention, je me fais vieux! Bon, allez, on reprend. Allez, un tentacule.
deux tentacules. Ah putain. Ouais mais ça, le problème c'est que ça va pas aller en s'arrangeant. Hein. Merde, plus de munitions. J'essaie de trouver une position qui passe bien là, mais... Allez. Alors, le truc c'est qu'il faut bouger, tenir la console, tirer et viser avec le stylet en même temps. C'est tellement pas pratique. Allez, 1. 2. Encore une phase avec ça, vas-y! Niquez-vous! Ah, j'ai récupéré des missiles. Quoi? Mais il est mort, Laz! Nique-toi! Allez, allez, allez. C'est bon. Mes pauvres mains. Ah, parce que sérieusement, ah, cette position, elle est pas confortable du tout, quoi. Mais vraiment pas du tout. Allez, viens par là, toi. Alors. Donc ça, c'est un octolithe, très bien. Autre chose à analyser dans la salle ? De toute façon, je pense que tout va se décanter quand on prendra l'octolite. Et de 2 sur 8. Oh, peau de mer. Octolite obtenu, tête bitches. Et maintenant, faut qu'on se barre, c'est ça? Le canon détient le pouvoir. D'accord. Bon bah, on se casse. Après, je crois que l'avantage, c'est que la zone n'est pas excessivement grande, donc la fuite devrait... 4 minutes 30, d'accord. On a 4 minutes 30 pour se casser. Et bah, let's rock'n'roll dans ce cas. Hein. 4 minutes 30 pour se faire la malle. On se pose pas la question, on sait que le portail qui mène au vaisseau est désactivé. Y aura-t-il des ennemis ici? Ouais, des psychopathes. Un d'autre. Ah, je peux descendre par là. Cool. Bah, vous m'en voudrez pas, les gars, mais je reste pas. Hein. Alors, je sais pas du tout si je prends le bon chemin, mais je continue. Ouais, ça a l'air d'être le bon chemin, ça. Hein. Ça a l'air pas mal. Quand tu veux, tu tournes. Ah, faut que je passe en boule morphing. Let's go.
Oh, bonjour monsieur, qui êtes-vous? Mais non, je veux pas le champ de force, je veux savoir qui est le monsieur. Weevil, l'arme préférée de Weevil est un fusil après le appelé le marteau, une arme lourde extrêmement puissante. Il est recommandé d'éviter les combats directs et de se maintenir à distance lors d'un combat avec un chasseur équipé de cette arme de gros calibre. D'accord. Aïe. C'est quoi, c'est une tourelle? Je veux l'analyse. Merde. Il est où? Ah merde, c'était un truc qui revenait sans problème. Je suis arrivé par où? Je suis arrivé par là. De toute façon, faut que je poursuive. Let's rock'n'roll. Oh. Attends, c'est une autre forme ça? Non, le Pixar, je m'en fous, c'est lui. C'est l'autre. Le système de sécurité activé, un chasseur a pris un octolithe. Merde! Merde. Mais j'avais déjà encore des points de vie pourtant. Bon, on repart de là, tant pis. Ah, puis bon, le combat de boss, quand t'es comme ça, pas en très bonne posture, ça pue un peu du slip, ça me brouillait. Ça passe par là. Oh, les 60 points de vie, tu fais du bien là, les gars, merde. Attends, il y a encore 60 points de vie, je vais les prendre. Voilà. 212 points de vie, normalement, je suis paré pour affronter Weevil avec ça. Enfin, Weevil... Je propose qu'on l'appelle l'autre pimpon. Allez. C'est que c'est Weevil. Je vais récupérer les missiles, hein. Tu m'en veux pas, poteau? Ah, il s'est barré, d'accord, ok. Merde, tour passé des modes normal. Ça, c'est une macro capsule d'énergie, 150 points, d'accord. Ah non, 100, pas 150. Bon, faut que je fasse gaffe parce qu'il peut me voler mes octolithes, cette espèce d'enfoiro, ça. Ok, c'est bon. Je lui ai cassé la figure. Octolithe récupéré. Ouais! Du coup, je crois que c'est par là. Eh ben, c'était sympa ce petit combat en plus. J'ai même. C'était pas mal là. Allez, quand tu veux, tu t'ouvres. Ah bah, c'est bon, on est de retour à là où il y a le vaisseau. On est tranquille, c'est bon. Il nous reste 2 minutes. Donc on aurait eu un double boss aujourd'hui, Slench et Weevil. Bon par contre, c'est pas normal qu'on ait pas pu récupérer leurs armes, là. Ils ont des trucs qui ont l'air sympas, moi je les veux. Tout qui paraît qu'on peut les avoir, donc moi je vais pas me gêner. Allez, à bord du vaisseau, il reste 1:46. Bien sûr, nous montons à bord. Bien sûr, nous sauvegardons, car vous serez en mesure d'empêcher la perte de vos données.
Alors, donc au carnet de bord, je regarde un peu où on en est. 24% en 62% au niveau de l'équipement. Wait, what? J'ai récupéré quoi? Ah, d'accord. La méga truc d'énergie, très bien. Donc ici, au niveau des objets, on est toujours à 33%. Au niveau des bioformes, on est passé à 29% parce qu'on a eu Slench, on a eu Weevil. On a eu la guêpe tueuse, il me semble. On a eu tous les ennemis du coin. Ouais, Slench 1A, 1B, Spear. On a eu les tourelles. On a eu Weevil aussi. Et au niveau des rites, 12% parce qu'on a pensé à scanner le truc qu'on avait loupé de l'autre côté. Très bien. Et ben, je pense qu'on va décoller. On va continuer. Je pense qu'on va aller jusqu'à la prochaine planète et on va sauvegarder. On va sauvegarder sur la prochaine planète. Et sur la prochaine planète, début de la prochaine planète, on re-sauvegarde et on s'arrête. Donc on a fait les archives célestes, on a fait Alinos. Notre prochain objectif sera, voilà, à l'indice du cluster alambic en cours. On a deux zones. Donc nous avons l'avant-poste Vesper ou. Où ce coin-là, non? Ou Arctera. Je pense que je vais utiliser une méthode hautement scientifique pour déterminer notre nouvelle destination. Parce que bon, Alinos. Voilà, je veux dire, Alinos et les archives célestes pour l'instant, on n'y va pas. Mais soit l'avant-poste Vesper, soit Arctera. Je vais chercher une pièce, je reviens. Donc, on va faire très simple. Si c'est. Alors oui, j'ai que de la petite monnaie dans le truc à côté. Hein. Si c'est pile, que je sais pas trop si ça se voit bien, mais bon. Si c'est pile avec le 1 centime, faites-moi confiance, ça c'est pile. Si c'est pile, on va sur Arctera. Si c'est face, on va sur l'avant-poste Vesper. Attention, lançage de pièces. Et j'ai obtenu. Alors ça se voit pas très bien, mais c'est face. J'ai pris une petite pièce. Comment je peux prouver que c'est face là comme ça? En plus, c'est tout petit, ça se voit pas. Bon, de toute façon, j'ai eu face, donc on va aller à l'avant-poste Vesper. C'est parti. De toute façon, je pense que si le jeu nous propose les deux, c'est qu'on doit pouvoir accéder aux deux avec notre équipement actuel. En tout cas, j'espère, sinon c'est un sacré pimpon. Et puis, si jamais on remarque qu'on peut pas faire grand-chose sur l'avant-poste, on sait qu'il faudra aller sur Arctera. Bien. Alors, est-ce qu'on pourrait juste scanner deux ou trois trucs dans le coin? Et après, on partira. Genre, par exemple, Vesper. L'avant-poste Vesper est construit le long de la frontière interstellaire des territoires alambiques. Il s'agit d'une station de ravitaillement au combustible ainsi que d'un entrepôt de munitions. La température de la totalité de la structure est maintenue au-dessous de zéro pour préserver la stabilité et empêcher la surchauffe des armes thermonucléaires. La décomposition des conteneurs de carburant radioactif a provoqué le déversement de carburant dans l'espace, laissant des résidus gelés de carburant toxique et potentiellement explosifs accrochés sur les structures du bâtiment. D'accord. Avons-nous autre chose dans cette zone que l'on puisse scanner? En tout cas, la musique est très sympa. Elle est tranquille, ça fait du bien. Et j'ai pas l'impression qu'on ait grand-chose d'autre dans les parages pour l'instant. À la limite, de toute façon, c'est un scan que j'aurais fait. Et ça probablement nous ramener vers le vaisseau, donc ça, on sait que c'est une porte. Bon, on fait un petit tour rapide pour être sûr. Ça, on sait que c'est le truc qui disait que c'était l'avant-poste Vesper ou Vesper. Bref, l'avant-poste de sa mère. Ah non, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose d'autre. Bien. Eh bien, écoutez les gens, on va en profiter pour sauvegarder une nouvelle fois puisque nous avons un nouveau truc de scanner. Nous sommes arrivés sur une nouvelle zone, enfin, sur une nouvelle planète. Donc, on va monter à bord et sauvegarder comme ça. On est tranquille. Oui, on va sauvegarder. Et du coup. On va se quitter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Metroid Prime Hunters. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce des familles en partant, ça fera super plaisir. N'oubliez pas non plus de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou de parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça. Vous le savez, la petite cloche, mon garçon, ça fait plaisir. Les moments épiques et les fails avec les hashtags associés. Vous connaissez le mythe, mais pas non plus d'aller jeter un oeil à la chaîne de VOD, dont l'un se trouve plus bas en description. Et en attendant d'explorer l'avant-poste Vesper, je vous remercie encore mille fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à ciao, bonsoir. We'll be right back.